Salut, salut et bienvenue dans le dernier vlogmas, donc le dernier vlog de l'année. Le chien qui remonte se coucher. Et voilà. Donc je vous prends en mode gélifié et avec une tête de guenuche pas possible. Voilà, j'ai fait mes petits soins déjà et j'ai mis mon peignoir avec mes oreilles de lapinou. Les oreilles m'emmerdent plus qu'autre chose. Hein. Là, je reçois ma première commande Shein aujourd'hui. Donc, je pourrais tourner cette partie-là du haul. Mais c'est pas celui avec le gilet pilo-pilo. Mais je pense que le peignoir, là, je vais finir par le donner à ma filleule parce que. Oui, il n'est pas plus chaud que ça. Vous remarquerez que j'ai pas encore allumé le poêle. On a plus beaucoup de pelets, chérie, doit aller en chercher après le boulot. Et j'en aurai pas assez pour la journée, si je l'allume maintenant. Donc je pense que je vais quand même l'allumer après l'ouverture de vlog, histoire de réchauffer un peu le matin. Je le couperai peut-être bien quand j'irai faire mes vidéos, parce que ben, j'en ai qu'une à tourner. Enfin, le haul. Je tourne les favoris make-up aujourd'hui. Et après, ben, j'ai presque plus de vidéos à tourner pour la fin d'année. Où c'est qu'on en est aujourd'hui? Je tourne celle du 29, donc les favoris make-up, et demain je tournerai les deux dernières qui sera donc le big project panne de l'année et le swatch and make-up de la Pat Maguas que j'ai reçu dans le dernier vlog de la part de Maryse, mon cadeau de Noël. Voilà, voilà. Donc là j'actualise pour voir si j'aurai pas mes deux colis Shein en même temps. Ça serait vraiment le top, comme ça je tourne qu'en une fois. Je vous ai pas dit l'heure, il est 6h30. Je suis réveillée depuis 4h30. Mais là, j'ai un truc qui me fait mal sur le haut du crâne. Je sais pas c'est quoi. J'ai l'impression d'avoir un bleu. Pourtant, je vois rien. Attendez. Ouf. Oula, moins fort. Moins fort, moins de lumière. Oula, je suis le Gremlins aujourd'hui. Je sais pas. Pourtant, je vois rien, mais j'ai mal. Comme si j'avais un bleu ici. Une bosse, je sais pas. Ici, je me suis chopé un Roberto. Ça faisait bien longtemps que j'avais pas vu de Roberto. Mon week-end. Bah, mon week-end, il s'est pas passé grand-chose. J'ai principalement fait des vidéos, celle de la fin d'année, hein, que vous aurez la semaine qui vient, là, pour vous. J'ai fait ça et j'ai regardé The Witcher, la saison 2. Ça passe beaucoup, 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 beaucoup trop vite. Je les ai regardés sur le week-end. Elle est allée sur le week-end. Attendez, j'ai quand même enlevé ma capuche. Mais du coup, je suis pas coiffée. Les chichous sont montés à sourcils. Oh, c'est Luna qui fout le bordel. Pas de choix. Ouais, vendredi, il y a eu le live où j'ai changé la déco, mais ça, je vous la montrerai après. Je vous montrerai quand je monterai filmé. Donc, je vous remets la rediff du live en barre d'infos. Oh là, on a encore passé un bon moment. C'était chouette. Comme d'hab. Et voilà, c'est tout. Il y a juste le vendredi où j'ai validé mes commandes Boozy Shop, Gliston et Beauty Bay, puisque j'ai commandé les produits qui me manquaient pour faire la vidéo où je me maquillais avec vos favoris, là, que je vous avais demandé sur Insta. Je vais vous montrer, j'ai la commande Boozy Shop ici, ce que je peux vous montrer. Hein, je ne vous montre pas les produits que j'ai achetés pour cette vidéo-là. Donc, j'ai reçu ma commande Boozy Shop. Gliston, je me suis donc pris... la palette d'highlighter là que je voulais, donc c'est mon cadeau de Noël de mois à mois. Je me suis repris un backup du Cola, puisque je m'en sers comme liner classique maintenant. Et je vous ai pris deux mini, enfin deux de 3 grammes. C'est un bundle. Ça me fait le bordel pas possible. Le noir et le blanc pour vous mettre dans le concours, le prochain concours. Voilà, elle s'amuse à faire ça. Elle monte, elle descend, elle monte, elle descend. Je ne sais pas si vous voyez bien. Je la vois plus. Elle est tarée. Luna est très en forme le matin.
Oh là, pas si près, pas si près, pas si près. Oh là, je fais peur. Sinon, bah, on va commencer à prévoir le réveillon aussi. Enfin, le réveillon. Nous, on fait rien hein, spécialement. Si le 25, on n'est que tous les deux. Donc, je pense qu'on se fera un petit apéro tranquille avec chérie. Le 24, on va donc chez mes beaux-parents. Et le 26, il y a les filles qui viennent. Donc, c'est ça que je dois préparer. De toute façon, j'ouvrirai le vlog dimanche, le weekly vlog 1 de 2022. J'ouvrirai dimanche, comme ça je vous filme quand elles viennent. Et je vous montrerai le dessert que je fais, parce que le reste c'est une raclette, donc il n'y a pas de préparation. Apéro très soft, hein, puisque faut qu'ils bouffent toute la raclette qu'on va acheter, enfin qu'on a acheté, parce qu'on a déjà tout acheté presque. Donc plus grand-chose. Il me faut une nappe en papier, il ne faut pas que j'oublie. Je vais vous montrer donc les quatre produits là que je peux vous montrer que j'ai acheté sur Boozy Shop. Ah oui, pour la vidéo où j'utilise vos favoris, l'anti-cerne, enfin il y avait deux anti-cernes qui étaient le plus revenus. C'était le Sephora, le Skin Perfect, un truc comme ça là, le Better Skin, je sais plus quoi. Et pareil pour le rouge à lèvres, c'était celui qui était le plus revenu. Le deuxième anti-cerne, c'était le Essence. Donc je vais utiliser le Essence parce que déjà je l'ai déjà. Je voulais commander pour tester le Sephora avec un rouge à lèvres, puisque moi, chez eux, j'ai plus que le noir, puisque j'ai fini mon numéro 13. Mais alors, si je voulais aller le chercher en boutique pour pas payer les frais de port, puisque j'ai un Sephora à 5 minutes de chez moi, je pouvais avoir que l'anti-cerne et pas le rouge à lèvres. Parce que j'ai vu des nouveaux, ils ont sorti des duochromes. Après, si je prends un classique, je peux aller les chercher là, mais voilà, c'était pas intéressant de prendre une teinte que j'avais juste pour dire voilà, je l'ai acheté quoi. Et si je voulais faire livrer à la maison, je pouvais avoir que le rouge à lèvres et pas l'anti-cerne. Donc j'ai dit va chier Sephora, tu me pompes. Franchement, ça, je boycotte Sephora. Alors, sur Boozy Shop, j'ai pris de chez Essence Ticket for Sweet Dreams Overnight Lip Mask. Donc c'est un masque à la fraise et je l'ai senti, ils sont divinement bons. Mais c'est un gel. Donc j'ai hâte de le tester. Là, je ne vais pas l'utiliser maintenant. Je ne vais pas foutre mes doigts dedans pour ne pas mettre de bactéries ou quoi que ce soit. J'utiliserai quand j'aurai terminé celui de chez WZ. Et j'ai pris trois des nouveaux. Donc LA Girl a sorti des nouveaux Shockwave. Donc c'est les crayons pour les yeux que j'adore. Là, c'est des métalliques. Donc j'ai pris trois teintes qui m'intéressaient. Les autres, c'était du bronze, du doré, du brun. C'était pas très intéressant. Donc je vous montre les teintes comme ça déjà pour commencer. Je vais vous montrer les swatches. Alors le violet, c'est le sequin. Et celui-ci a l'air un peu moins opaque que les deux autres. Parce que oui, moi j'ai déjà fait les swatches. Hein. Je vais vous montrer. On a le bleu qui est océan, mais il est magnifique, c'est un bleu canard. Et celui-là, il est super opaque, super crémeux. Je ne sais pas pourquoi le violet, il l'est moins. Et le vert qui est le dragon. J'aime bien les noms. Et my God, ils sont beaux. Regardez-moi ça. Mais vous voyez, le violet, il est un peu moins opaque et un peu moins crémeux, j'ai l'impression. Je sais pas pourquoi il fait ça, mais voilà. J'ai hâte de les tester. C'est vraiment des bons crayons pour pas cher. Donc j'aime bien. Au départ, je voulais me commander tous les Colourpop, mais ceux-ci sont aussi bien, ou les Révolutions. Enfin, de toute façon, je vais vous tourner les favoris, vous verrez ça dans les favoris. J'ai eu, dans les favoris, vous verrez, j'ai pas mal de coups de cœur aussi de ces derniers temps. Et est-ce que ça vous intéresse une vidéo où je me maquille avec tous mes coups de cœur, justement, mes récents coups de cœur? Voilà, dites-moi ça en commentaire. Ça sera soit pour fin janvier, début février. Mais comme ça, je sais que je peux prévoir la vidéo si ça vous intéresse. Mais j'ai pensé à ça parce que j'ai vraiment eu beaucoup, beaucoup de coups de cœur ces derniers temps, entre novembre et décembre, là. Donc, si jamais, vous me dites en commentaire si vous voulez que je vous fasse une vidéo avec un make-up spécial sur tous mes coups de cœur. Alors, je vais ouvrir les calendriers. Alors, je n'ouvre pas ceux au chocolat parce que je viens de m'enfiler ceux du week-end. Voilà. Alors, on va passer chez Essence et on est le combien? Le 20. Le chat a été mal à tout le week-end, là ça a l'air d'aller un peu mieux. Le 20 ici.
Donc ça, à mon avis, c'est le top coat ou la base pour les vernis qui seront pour vous, le format. Ah non, c'est dit pour moi, c'est un baume à lèvres. J'arrive pas à le sortir. Ah, il faut que j'en descende à baume à lèvres, celui que j'ai là. Ça va pas pour nettoyer mes lèvres. J'utilise en ce moment celui de l'année dernière, justement, du calendrier de l'avant de l'année dernière. Et il teinte vraiment beaucoup. C'est un qui réagit au pH de la peau. Et il teinte vraiment très en rose. Donc, c'est à l'amande douce et à l'huile de coco. Donc, c'est un classique. Bon, il sent pas grand-chose. Bon, du coup, je vais garder celui-là, hein, comme il est déjà là. Voilà, pour nettoyer mes lèvres. Et l'autre, il est beau, hein. Mais je vais vous montrer comment ce qui réagit fort au pH. C'était celui-là l'année dernière. Alors là, j'ai déjà un petit baume à lèvres, mais... Il fait super rose, alors qu'il est orange hein, dans le truc. Mais après, il fait super rose sur les lèvres, quoi. Là, vous voyez pas trop. Donc, du coup, quand j'essuie après... Oh là là, je vous fais bouger dans tous les sens, vous allez avoir le mal de mer. Quand j'essuie après pour nettoyer mes lèvres, bah, ça me met du rose sur mon teint. Donc, je l'utiliserai en baume à lèvres classique quand j'aurai fini celui... Parce que là, j'en ai deux d'entamés. J'ai toujours celui comme ça de Amy. Et celui que j'ai racheté... Le Huda, celui-là, je l'adore. Mais pas forcément en baume à lèvres. Il ne va pas pour nettoyer mes lèvres. Regardez-moi la beauté de la chose, quoi. C'est trop beau. Mais je l'avais mis sur mon crayon Soar. Et c'était trop beau. Trop beau. Donc, je pense que je vais le mettre dans les rouges à lèvres, d'ailleurs. Celui-là, je vais le remettre en haut. Et voilà, bon, écoutez, là, je vais aller réveiller Georges parce qu'il a école aujourd'hui, et puis mercredi matin, et puis la fin. Oui. J'irai brosser mes dents et faire mon teint tranquille ou bilou, comme ça, je peux aller filmer tôt. Là, je vais faire chauffer mon bureau pour pas avoir froid à mes fesses. Et voilà, donc, je pense pas qu'il va se passer grand-chose aujourd'hui non plus. Hein. Je pense pas que cette semaine va être très intéressante, encore une fois. Cette semaine, on va emballer les cadeaux. Je pense qu'on fera ça demain. Comme ça, je peux les exposer. Attendez, je vais vous dire ce que j'ai prévu. On va faire le petit masque de Noël. Bah, je pense qu'on fera ça demain aussi. Comme ça, demain, limite, je filme pas. Et... ouais, masque de Noël, emballage des cadeaux. Après, il faut que je vous montre. Le fond d'hiver. Et voilà, je vous ferai à le 24 mon petit get ready pour le réveillon chez mes beaux-parents. Ça sera assez soft hein, parce que voilà, je suis toujours la seule à être maquillée là-bas. Et enfin, je dis ça et puis je peux très bien m'en porter totalement. Je ne sais pas encore ce que je vais faire. On verra bien. Je ne sais pas comment je vais m'habiller non plus. Le problème, c'est que je ne peux pas me mettre en jupe. Parce que je peux pas mettre de talons, parce que je vais devoir rouler pour revenir, parce que monsieur risque d'être bourré. Donc, rouler avec les talons, j'ai du mal, surtout tard le soir, parce que j'ai déjà du mal à rouler la nuit, en fait, avec les éclairages des phares et tout ça. Et mes problèmes de vue, je vois quasi rien. Donc, si en plus il pleut, ou qu'il y a de la neige, que je vais paniquer, ça va être le bordel. Voilà, bon, bah écoutez, je vous reprends tout à l'heure en haut pour vous montrer le fond de Noël, si jamais vous n'avez pas vu le live. Et voilà, de toute façon, vous verrez à partir de demain dans les vidéos. Hein. Et voilà, oh, aujourd'hui, j'ai intérêt à faire une grosse sieste, hein, parce que mamie est fatiguée. Hein. Alors, il est 9h53, très précisément. Je fais une petite pause ménage. Bien sûr, je m'assois. Le chien veut rentrer. J'arrive. Hier, on a été... alors d'abord, j'ai fait une commande Douglas parce que je voulais m'acheter le Melty de Too Faced dernier de la collection de Noël de cette année. Mais je dis, 20 balles et tout.
Et Manon me dit, bah, il est à moins 15%, à moins 25% sur Douglas. Donc, je le commande tout de suite. Ça m'a débité sur PayPal, mais ça ne m'a pas validé mon panier. Donc, je dis, c'est quand même bizarre, on va attendre un peu, c'est peut-être un petit bug. Et ben là, il n'est même plus en transfert. Pourtant, j'ai le mail comme quoi PayPal a bien retiré les sous. Mais il n'est plus en transfert, plus rien. Donc, j'ai envoyé un mail hier à Douglas pour voir un peu, parce qu'aujourd'hui, il n'est plus en promo. Voilà, bien évidemment, hein. Et là, du coup, sur Vinted, je viens de commander un lot de deux Melty, justement, neuf, le Gingerbread Man, donc celui de l'année dernière. Le fille, on ne le trouve plus, hein, mais bon. Et dedans, il y a un classique rouge que je vous mettrai de côté pour le prochain concours, du coup. 14 euros les deux, quoi. Donc, il est quand même à 23 balles, le Gingerbread, hein, il est plus cher que celui de cette année. Sur les loups! Ah, je lui donne à manger, elle attend que le chat ait fini de manger et que le chien rentre pour commencer à bouffer, comme ça elle gueule sur le dessus, quoi. Elle est incroyable. Donc là, je viens de commander les deux là sur Vinted déjà, comme ça au moins j'ai rattrapé. Parce que j'ai dit à chérie, je vais me prendre quand même à chaque fois ceux des collections comme ça spéciales parce que je les aime de trop, ces rouges à lèvres. À chaque fois, il y a une odeur et tout, donc c'est pour la sensorialité et tout. Bon, après, pas si c'est une couleur qui me plaît pas, mais voilà. Là, c'est vraiment des teintes qui me plaisent. Celui de cette année, c'est un nude. Celui de l'année dernière, c'est un marron. Donc, un marron très foncé en plus. Donc, j'ai dit, je me prendrais soit les coffrets, soit les éditions limitées, comme ça, avec les capuchons un peu décorés, quoi. Hier, on a été chez Auchan. En fait, on devait aller pour ma belle-sœur chercher. Elle a commandé une breloque, enfin, un charme Pandora. Comme cadeau de Noël pour ma belle-mère. Et en fait, elle voulait écrire le nom du petit Hugo et il manquait le O. Donc, elle a dû le commander. Elle nous a demandé à nous d'aller chercher parce qu'on est juste à côté. Mais alors, une file devant le magasin, devant la boutique. On en a eu pour 1 heure d'attente en dehors de la boutique, quoi. Tout ça pour 2 minutes, le temps qu'elle nous donne juste le charme que ma belle-sœur avait commandé, quoi. On n'en pouvait plus. Du coup, on a été faire 2-3 courses dans le Auchan. Un monte, j'étais énervée. Et qu'est-ce que je vois? Un vieux monsieur, enfin, ouais, un vieux monsieur, hein, soixantaine d'années, qui toussait comme un tuberculeux et qui enlève son masque pour tousser. Allô? Les gestes barrières, connais pas, monsieur? C'est quand même grave, quoi. Il a carrément enlevé son masque et il toussait comme ça. Dans le magasin, aux caisses en plus. À mon avis, il le faisait exprès pour que les gens s'écartent et qu'ils passent plus vite parce qu'il y avait un monde aux caisses incroyable. Mais j'y mets. What? Bon, on va ouvrir les calendriers de l'avant. Je pensais avoir ma deuxième commande Chine aujourd'hui, mais c'est pas le cas. Donc, je sais pas quand est-ce que je l'aurai. J'espère que ça va pas trop traîner non plus. Je vais prendre mon petit déjeuner avec vous. On est combien? On est très proche de la fin là. On est le 21. Et ouais, ça passe trop vite. Le 21, ici, chez les monsieur sexy. J'aurais jamais autant mangé de chocolat, quoi. Quoi qu'en ce moment, j'ai très envie de chocolat. Bizarre. Et ici, chez Nico. Ah, c'est un petit cœur aussi. Avec un petit nain. Oui. On n'a jamais vu des grands nains, mais je ne sais pas trop ce que c'est dessus. Ah oui, on voit. Avec un baluchon, je sais pas quoi. Je viens de voir qu'ils sont dessinés. L'autre, il m'aura fallu 15 jours pour comprendre qu'il y avait des messieurs sexy en dessous. Et là, je viens de comprendre que il y a le dessin à chaque fois. C'est bien, il ne reste plus que 3 à manger. Alors, chez Essence, je les ai mis dans l'ordre parce que. Ah bah non, là c'est le 22. 21 ici. C'est ça, hein, on met le 21. Hein. 22. 24. Mais le 23, il est où? Ah, le 23, il est ici aussi. Donc, le 21, il est ici.
Et c'est donc pour vous, c'est le recours de fil. Que moi j'utilise absolument plus. Marrant dans ce format là. Donc voilà, il nous en reste un par case, hein, bien évidemment. Donc là c'est le 22, 23, 24. Je vais les mettre dans l'ordre comme ça je pourrais jeter au fur et à mesure. Donc ça va pour vous. Je vous ai toujours pas montré le fond d'hiver, hein, mais aujourd'hui j'ai plein de choses à faire. En fait, je vous parle, j'ai mon gros bras dégueulasse devant. J'ai plein de choses à faire, dont le ménage. Là, je suis occupée avec ma cuisine. Je suis en train de détartrer tous mes appareils électroniques, là, enfin électriques. Parce que ici, le tartre, c'est un truc de fou. Hier, j'ai le WC qui était bouché. Donc, j'ai pataugé clairement dans la merde toute la journée. Parce qu'il continue à se remplir. Donc, je devais aller le vider au fur et à mesure. J'ai pas compris ce qui s'est passé. Chérie est rentrée, c'est débouché. Bien sûr. C'est toujours pareil. Donc voilà, je crois que j'avais... Aujourd'hui, on va emballer les cadeaux aussi. Donc je ferai une petite pause pour emballer les cadeaux tout à l'heure avec vous. Je vais quand même essayer, en allant chercher les cadeaux, je vous montrerai le fond. Et voilà, hier, on a trouvé le cadeau du petit, donc du fiole de mon homme. Il ne reste plus que les garçons. Mais eux, on les voit que le 26... puisqu'ils sont pas là le 24 et le 25. Le 25, on va être comme deux paumés, tous les deux tout seuls. J'ai encore bien m'amusé, mais on va bien manger. Voilà, on va se faire un apéro dînatoire à deux. Je vais encore me plaindre que j'ai trop mangé, hein, mais... Et voilà, aujourd'hui, j'ai plein de choses à faire, question de ménage, donc je vais pas filmer. Je peux pas dire que je prends du retard. Enfin, si, je prends du retard, mais... Il me reste celle du 30 et du 31 à tourner. Celle du premier, c'est le All She In. Donc, il faut que j'attende ma deuxième commande qui ne sera pas pour aujourd'hui de toute façon. Donc, si par bonheur, je la reçois demain, je peux enchaîner les trois d'un coup. Voilà. Et Georges à école demain matin. C'est son dernier jour d'école, lui. Donc, comme ça, je suis tranquille. Parce que le 24, 25, 26, je ne peux absolument pas tourner. Le 27, je ne serai peut-être pas assez en forme pour tourner non plus. Donc, voilà. On verra bien. Mais ouais, il me reste le Big Project Pan de l'année à tourner et le swatch and make-up de la palette Pat Maguas que m'a offert Maryse. Donc le swatch and make-up, c'est assez rapide. Le Big Project Pan, peut-être pas. Je suis en train de faire le montage. Ah oui, il faut que je finisse mon montage aussi des favoris make-up là. J'en suis à 50 minutes de vidéo quoi. Donc j'essaye de couper un peu toutes les conneries que je sors. Et voilà. Et le haut, ma foi, il faut que j'attende l'autre paquet. Donc, voilà. Là, je vais aller continuer un peu mon ménage et j'irai chercher tout ce qu'il faut pour emballer les cadeaux, dont les cadeaux et le papier. Et je vous montrerai deux, trois emballages. Je vais pas vous... De toute façon, c'est quasi tout le même cadeau pour tout le monde. Hein. On ne s'est pas trop foulé cette année. On n'était pas inspiré. D'habitude, je commence mes cadeaux de Noël en septembre. Moi, hein. Et là, on a tout fait le mois passé. Donc, voilà. Oui, elle fait une pause repas, la Chico, et elle attend que le chat approche pour cogner dessus. Hein. Oh, là, c'est la tête de Guenuche, de fille Guenuche. Hein. Donc, il est 7h40 à peu près. Là, je suis dans l'enclos avec les chichous. J'ai ouvert parce que je vais nettoyer la cage à fond. Et il faut qu'il soit dehors parce que je nettoie les étagères et tout ça avec du vinaigre. Et il ne faut pas trop qu'eux soient en contact avec l'humidité. Donc, je les fais sortir et comme ils sont actifs soit tard le soir, soit le matin, ben, comme j'ai pas beaucoup de temps en ce moment le soir et que je suis vannée, du coup, je vais le faire ce matin. Donc, je vais aspirer, nettoyer et tout ça, tout ça. Là, il y a Queenie qui écoute ce que je raconte. Les autres sont planqués. Hier, je vous ai pas repris parce que j'ai briqué ma cuisine toute la journée. J'en pouvais plus. J'avais mal les mains, mal les coudes, mal les épaules, mal le dos. J'avais absolument mal partout. Aujourd'hui, je fais la cage, je fais les poussières. Queenie aime pas que je dise poussière, apparemment. Et je vais tourner les deux dernières vidéos de l'année. Donc, le swatch and make-up, Pat Maguas et le
Big Project Pan et le All She In, parce que je reçois ma deuxième partie aujourd'hui. Et du coup, j'ai pas eu le temps de tourner en deux parties, donc je ferai tout d'un coup. Donc vous aurez le même make-up sur les trois vidéos. Voilà, mais je rentabilise le temps comme je peux, parce que après, je pourrais plus tourner fin de semaine, là, vu que les filles viennent dimanche. J'ai trop hâte. Hier soir, j'ai emballé les cadeaux aussi. Alors, j'avais dit que je vous les montre, enfin, que je les emballerai avec vous, mais j'ai fait ma grosse feignasse. Hein. Je vais vous montrer juste après. Je vais d'abord faire la cage. Comme ça, après, je me bats avec eux pour les faire rentrer. Parce que je vais être toute seule à les faire rentrer. Et je vous montrerai les cadeaux. Le Swatch & Make-up, je ferai le teint complet, vu qu'elle sort le 31. Comme ça, si vous voulez vous maquiller en même temps que moi le jour du 31, ben, vous pourrez. Je pense que je la publierai peut-être un peu plus tôt. Je ne sais pas, on verra bien. Je vous mettrai certainement un sondage sur Insta. Oh, je suis claquée. Hein. Je dors très peu en ce moment et j'arrête pas. Donc là, j'ai déjà fait mon linge. Hier soir, j'ai emballé les cadeaux jusqu'à minuit. Là, je vais attaquer la cage. Peut-être les poussières en même temps, comme ça, c'est fait. Je ne sais pas. Les poussières, je les ferai peut-être quand j'attends le facteur. On verra bien. Enfin bref. Donc là, je fais la cage. Je vous montre les cadeaux juste après. Essayez de faire quelque chose avec la mémère. Là, j'inspecte les travaux dans les pieds. Et il y a Luna pas loin. Coucou, il fait la gueule. Ah, on va aller au bas. Oh la belle mémère. Oh là là, que le chef belle. Oh, quelle beauté fatale. Oh là là, une vraie queen. Oh bah oui. Oh là là, elle est magnifiquement belle. Ah, ici nous avons la princesse Miss Luna. Bonjour, mes belles Luna. Toi aussi tu fais l'inspection des travaux finis? Hein? Toi aussi tu fais l'inspection des travaux finis? Tu vas au bain? Va au bain. Va faire une belle fifi. Va au bain. Tu vas au bain, Luna? Va au bain. Viens. Viens au bain. Allez. Non, tu préfères passer sur YouTube, ta fille. Tu vas au bain? Ah bah voilà. Oh là 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 là. Elle va encore m'en foutre absolument partout. Ah oui. Et bien Luna, elle s'éclate dans le bain, hein. Oh bah oui, hein. Oh là là, oh qu'elle est belle. Oh magnifique, magnifique. Frotte encore un peu. Frotte un peu encore, non? T'as fini? T'as fini? C'est bien, montre comme t'es belle. Oh là 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 là, qu'est beau cul. Mais qu'est beau petit cul. Queenie, j'ai pas fini la cage, hein. J'ai pas fini, hein. Elle fait l'inspection des travaux finis. Ah oui, pardon, j'ai oublié de remettre votre petit coussin dans votre fraise, chère madame. Attends, je fais ça de suite. Bon, allez, je vais continuer parce que maintenant il reste l'étage le plus chiant, le fond et le plus crade. Et voilà, c'est déjà un peu plus propre. Hein. Je suis trop contente. Je viens de commander l'autre sur AliExpress et un nouveau hamac parce qu'il n'y a que dans celui-là qui vont. Les deux autres que j'avais achetés un peu moins cher, ils sont pas plastifiés en dessous et du coup ils sont moins rigides et ils vont pas dedans. Tandis que celui-là, Luna, elle dort dedans. On le voit quand elle dort dedans parce que ça pendouille ici. Voilà, puis j'ai peut-être regardé pour leur changer un jouet ou deux. Il n'y a rien à manger dans les gamelles. Elles sont vides, les gamelles, chère madame. La table est dégueulasse, hein. Il faut que j'achève de ranger, de nettoyer. Elle va aller faire une bêtise, elle va aller sur la table. Ah non. Qu'est-ce que tu fais, Luna? Qu'est-ce que tu fais, bébé Luna? Hein? Bébé Luna? Vous voyez, cligner le nouveau bain. Bon, allez, je vais continuer, moi. Tu dis à tantôt, bébé Luna. Je vais me faire un café, donc j'en profite un peu pour vous montrer quand ils sont dehors. Là, on a bébé Luna qui fait toujours des conneries. Donc, vous voyez, on a l'enclos, comme ça, tout le long. Et ils ont tout le salon pour eux. Donc, ils ont leur cage ici à côté du canapé. Ils jouent sur le canapé, sur la table, sur leur pachat, sur le truc qu'on a fait, sur la petite fenêtre. Là, il y a bébé Gougou. Hein, mon bébé Gougou? Vas-y, mon bébé, tu montres comment tu fais Flash McQueen? Tu fais Flash McQueen? Non? T'as pas envie? Voilà, là, je dois juste surveiller que Luna n'aille pas en dessous du canapé parce qu'elle va se mettre dans le canapé, là, à l'intérieur. Donc, c'est extrêmement chiant. Mais voilà, ce qu'il s'amuse à faire. Il monte d'un côté, il court sur le canapé, il saute de l'autre.
Voilà, c'est des chinchillas hyper malheureux chez nous. N'est-ce pas les bébés? Hein? Hein, Queenie? Tu étais une grosse malheureuse, hein? Oh, bah oui, elle était malheureuse, cette pauvre petite mémère. Hein? Oh, qu'elle était malheureuse. Montre comment tu dandines du cul quand tu cours. Voilà, et là, Luna va la suivre à la trace. Ça, ils font souvent. Voilà, là, ils pètent leur câble. Et comme ça, vous les voyez un peu dehors. Comme je suis toute seule le matin, ils sont plus actifs aussi le matin, hein, donc c'est chouette. Voilà. Ah oui, rebondir contre les murs. Hein, ça, Luna, elle fait beaucoup. Queenie est sur la petite fenêtre. Elle va aller me faire une connerie. Pas sur le bureau, hein, Gougou. Merci. Voilà. Et ils courent dans tous les sens. Et là, je vais retourner dans l'enclos, faire la cage. Ils vont bien dans mes pieds, comme d'hab. Oh, ben voilà, vous les voyez tous les trois. Non, Luna, pas de café pour toi, t'es trop jeune. Et pas la télécommande non plus, merci. Oh, bébé Gougou, qu'est-ce qu'il était beau, ce bébé. Oh là 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 là. Oh là 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 là, que bad boys. Luna, laisse-la où? Luna. Ça va parce qu'ils écoutent assez bien, c'est ça qui est chouette. Sauf quand ils veulent pas rentrer. Bon, allez, je vais terminer la cage. Bon, je reprends en face cam, mais ma tête n'est pas mieux. Hein. Je vais arranger ça juste après. Donc, je vais pas tourner le swatch and make-up aujourd'hui. Je vais au moins faire le haul, comme ça je peux ranger après. Hein. Vous connaissez mon obsession, moi il faut que je range directement, déjà que j'ai l'autre qui traîne en haut. J'ai fini la cage, donc là il est 8h56. J'aurais réussi à le faire rentrer assez vite, tous les trois. Je vais vous montrer les cadeaux après. On va d'abord ouvrir les calendriers de l'avant. Voilà. Et on va finir un tiroir de coucher essence. Donc on va commencer par les chocolats parce que j'ai faim. On est le combien? Ah, on est le 22. Demain, je fais ma troisième dose. Demain soir. J'espère que je ne vais pas être malade après. Ça serait con pour le 24. Donc le 22, ici, chez Nico. Et c'est un ballon de foot. Normal. Chaque thème de Noël. Allô? Il n'y a pas le 22? Oui, ici. Oh, on mange les abdominaux. Et là, c'est toujours un petit cœur. Voilà pour ceux-là. Alors, le 22 chez Essence. Comme ça, on finit un tiroir. Il est ici. Ça sent le top coat. Je pense. Il est là-bas. Ouais. Donc, ça, c'est pour vous. Il y a vraiment beaucoup de chocolat à travers. C'est le top coat. Voilà. Donc, ça sera pour vous. Et celui-là, je peux le jeter. Et voilà, il nous reste plus que deux cases à ouvrir. Putain, ça passe trop vite. Donc, ben venez, je vous embarque. Je vais vous montrer les cadeaux. J'allume pas la guirlande, hein. La flemme, moi. Donc voilà, vous allez remarquer que je me suis pas trop foulée non plus. Tous les produits Adopt, on a acheté quasi que ça pour tout le monde. Enfin, la grande majorité est dans le sac là que Chérie a acheté chez Action, Auchan. Du coup, là, c'est les 5 cadeaux qu'on doit prendre avec le 24. Cadeau des filles. Voilà. Et puis là, il y a ceux pour ceux de chez mon frère, pour le 26. Des garçons. Je me suis pas trop foulée non plus pour emballer les cadeaux des garçons. Voilà, ça c'est pour Nico. Et on a ici derrière pour le dindon de Imi. Voilà, je me suis pas trop foulée. Les filles non plus, je me suis pas trop foulée. Je leur ai mis une petite pochette cadeau. Ça c'est celle pour la copine d'Enzo. Enfin voilà. Et il y a le gros cadeau là d'Enzo. C'est une veste. Hein. Je voulais une veste de Doudou. Je l'ai emballée dans le gros sac Adopt. Et voilà, mais au moins j'ai fini mes cadeaux. Je me suis pas trop foulée, je l'avoue, hein, mais voilà. Écoutez, on fait ce qu'on peut avec l'énergie qu'on a. Hein. Voilà, voilà. Du coup, attendez, je prends mon téléphone près de moi pour que vous m'entendiez mieux. Là, je vais faire mon teint, enfin me maquiller en attendant le facteur. J'allais mettre chauffer mon bureau pour pas avoir froid le cul tant que je tourne le hall.
Peut-être que si je suis motivée, je ferai le Big Project Pan en même temps, comme ça c'est fait. Et j'aimerais bien cet après-midi tester les gâteaux que je veux faire le 26. Je vais voir si j'ai le temps et l'énergie. Il faut encore que je donne un coup de balai là près de la cage parce qu'ils ont foutu du sable absolument partout. Et voilà, écoutez, je ne sais pas si je vais vous reprendre aujourd'hui, peut-être si j'ai d'autres commandes. Maryse m'a encore envoyé un colis. Je vais la tuer, donc j'espère qu'il ne traînera pas autant que le dernier. Hein. J'attends pas mal de commandes. Hier, je me suis fait un cadeau Sephora encore. Enfin, deux cadeaux. Attendez, je vous reprends au bureau parce que l'appareil est lourd à bout de bras. Donc hier, je cherchais, puisque Douglas, ça ne s'est pas validé, même sur PayPal. J'ai eu le mail de confirmation, mais ça ne s'est pas enlevé. Et je me suis dit, je vais le recommander le lendemain. Hein. Je vais le recommander, comme ça je suis sûre. Je ne sais même pas si je ne vous l'ai pas déjà dit hier. Enfin bref. Je vais le recommander tout de suite pour être sûre. Et PayPal verra qu'il y a deux fois le même montant et ils vont en éviter que... Et du coup, il n'est plus en promo. Donc, j'ai été voir sur Sephora, puisqu'il y a un produit Sephora, un rouge à lèvres Sephora duochrome que je voulais. Et du coup, je l'ai commandé là, puisque quitte à pas avoir de promo, ben, comme ça, j'avais le Sephora en même temps. Et j'ai commandé le Gingerbread Man de l'année dernière. Donc, le girl, il est introuvable, ou alors à des prix exorbitants, sur Vinted, en neuf. Deux melted neuf, dont le gingerbread que je veux et un classique rouge pour 14 euros les deux. Alors le gingerbread, je l'ai vu partout à 14 euros pièce. Là, j'ai vu 14 euros les deux neuf. J'ai pris comme ça, moi je prends le gingerbread et l'autre, je le mettrai dans le lot des concours pour le prochain concours. Voilà, tout simplement. Donc bah, quand j'aurai reçu ça, je vous montrerai, mais il y a du retard partout. Hein, donc, à mon avis, ça ne sera pas cette semaine. Ça, c'est juste pas possible. Voilà. Le colis de Marie, s'il met un temps normal, je devrais l'avoir demain. Mais je doute. Et elle ne veut pas me dire ce que c'est. Elle m'a dit, cette fois-ci, je ne te dirai rien. Voilà. Elle m'énerve. Elle m'a déjà envoyé mon cadeau de Noël. Et là, elle me renvoie encore un colis. Quoi. Il faut qu'elle arrête. Hein. Je vais la taper. Je vais la voir au mois d'avril. Avril ou mai, je ne sais plus. Pendant les congés scolaires de Pâques. Je vais la défoncer. Voilà, donc clairement, Maryse, prépare-toi. Je vais te casser la gueule. Avec amour, mais je vais te casser la gueule quand même. Voilà, voilà. Bon, sur ce, nous livrerons votre colis aujourd'hui. Oui, je sais. Entre 8h29 et 11h04. Très précis. Et il est en bas de la rue. Donc, il ne devrait plus trop tarder. Des fois, il marque combien de boîtes il lui reste à déposer. Enfin, combien de colis il lui reste à déposer entre-temps. Mais ce n'est pas le cas tout le temps. Colis temporairement signé par le facteur. Ah oui, bah, de toute façon, il signe tout le temps pour moi. J'ai l'habitude. Voilà, voilà. Bon, allez, sur ce, je vous laisse. Là, je pense que vous avez pas mal de contenu, surtout chichou aujourd'hui. Hein. Voilà. Ceux qui se plaignent de ne pas les voir, là, vous les avez vus. Et dehors, en plus. Donc, je ne sais pas si je vous reprends aujourd'hui parce que je vais achever de faire ce que j'ai à faire. Et soit on switch de jour, soit on switch de moment. Enfin, voilà, quoi. Vous connaissez la chanson maintenant, hein. Bon, il est... Décidément, vous n'allez pas me voir à mon avantage dans ce vlog. Hein. Il est 8h48, je suis réveillée depuis 7h30, hein, puisque c'est les congés, donc forcément je me réveille super tôt. Enfin, super tôt, j'ai gagné une heure de sommeil par rapport à l'école. Donc là, on va ouvrir les avant-dernières cases du calendrier. Donc, j'ai Amy qui me parle en même temps. Hier, mon frère est passé le soir boire l'apéro et du coup, il nous a invités le 25. Voilà, quand il a su qu'on était seul, il a dit bah, c'est un peu con, nous on est seul aussi, enfin seul, avec mes parents et un de ses collègues et les enfants. Et du coup, il a demandé à mon autre frère s'il venait aussi, vu que nous on y allait, donc finalement, on sera beaucoup. Mais du coup, ça fait plus de cadeaux. C'était pas prévu au budget. Donc on va devoir courir ce soir à faire les cadeaux imprévus. Et ça, j'ai horreur de ça. Courir en dernière minute, faire des cadeaux. Parce que bon, réveillon, c'est demain. Le 25, ça sera fermé. Donc on n'a plus qu'aujourd'hui. Demain, ça va être la galère. Les magasins, on évite. Hein, nous. Déjà là, normalement, on n'y va déjà pas à cette date-ci.
Et en plus, ça me bouffe du temps. Donc, je suis déjà à la bourre et ça me bouffait du temps parce que les soirées chez mon frère, ça se finit jamais à 11h. L'année dernière, Noël, on est rentré à 8h au matin. Hein, donc, voilà. Mais le 26, moi, j'ai des filles qui viennent. Il faut que je prépare tout. Donc, j'ai intérêt à faire day-day. Là, ce que je vais faire, je vais parce que j'ai tout préparé pour faire les deux vidéos qui me manquent. Donc, le Big Project Pan et le swatch de make-up de la palette que Maryse m'a offert. Je vais aller rechercher ce qu'il me faut pour me maquiller. Je vais filmer le Big Project Pan parce que ça va assez vite, même niveau montage et tout ça. Et la palette, je ferai la semaine prochaine. J'ai pas le choix. Je suis beaucoup trop en retard. Il y a Lilou qui descend. Donc, ce gilet pilou-pilou, vous allez beaucoup le voir. Vous le verrez dans le haul Shein, le premier. Donc oui, je disais, je suis beaucoup trop en retard. Là, j'ai fait tourner les housses cette nuit. Donc là, elles sont en train de sécher du canapé. J'avance, hein, voilà. Après, je fais comme je peux parce que sinon, j'ai la tête qui tourne, je me casse la gueule. Là, je me suis réveillée avec le mal de crâne. J'ai un converteur. Ouh, il est beau en plus. J'en avais un ici qui est en train de partir. Et là, j'en chope un autre. Mais il me fait super mal. Et je me demande si c'est pas un poil à carnet. Donc, il faut que je regarde à ça, mais waouh, j'avais pas vu qu'il était si rouge. Donc voilà, hein, merci les Roberto de se pointer maintenant. Oui, d'où je viens. Ce soir, en plus, j'ai ma troisième dose du vaccin à 17h30. Chérie a sa deuxième dose, moi j'ai ma troisième dose. Donc j'espère pas être malade. Je n'en peux plus. Je vous jure, je n'en peux plus. Alors. Avant d'aller ouvrir la porte à Lily, je vais faire donc les avant-derniers le 23. Ici, on mange une rotule du monsieur. Ah. Comme ça, en même temps, je prends mon petit déj, vous voyez. C'est un peu dur, il fait froid. Et ici, voilà. C'est un petit train, tout ce qui est plus basique. Alors, le 23 chez Essence, on est ici. Ça fait encore un tiroir que je vais pouvoir jeter. Et c'est le truc pour nettoyer les pinceaux qui m'a l'air pas mal. Donc, celui-là, je vais le garder pour nettoyer mes pinceaux. Parce que moi, je les lave en creux de ma main. Et des fois, ça enlève pas tous les pigments. Et là... ça fait à peu près le même... je sais pas si ce clip se... ouais, ils se vendent tous pas très bien. Mais... ouais, je vais le tester. Je dois laver mes pinceaux aussi. Oh, je vous dis, j'ai beaucoup trop de choses à faire. Mais alors, beaucoup trop. Je ne m'en sors plus, là. Là, j'étais en train d'actualiser mes suivis parce que le colis Beauty Bay est au dépôt. Donc, pas loin de chez moi. Donc, en principe, quand il est au dépôt, je l'ai soit le jour même, soit le lendemain. S'il n'y a pas de retard dans la livraison même. Et le colis de Maryse est toujours marqué en route vers la Belgique. Donc, j'attends 9h pour voir. Et voilà. Attendez, je vais laisser une page blanche. Sinon, j'attends plein de commandes, mais beaucoup trop, quoi. Mais ça va être retardé. Donc, voilà. Alors, voilà. J'avais rien d'autre à vous dire. Demain, de toute façon, c'est le 24. Donc, c'est le jour du réveillon. Donc, je me maquillerai en bas, mais je pense que je vous le filmerai. Mais peut-être en musique. Et comme ça, je vous montrerai ma tenue. Alors, ce ne sera pas folichon. Je pense que je vais mettre l'ensemble vert que j'avais acheté chez Shein. Il faut que je repasse, d'ailleurs, la dernière fois. Qui fait un peu un style de combi. Voilà, par contre je pourrais pas vous montrer le look du 25. Bon, chez mon frère, là je vais mettre la jupe que j'avais acheté chez Shein aussi. J'essaierai, de toute façon je vous mettrai certainement sur Insta et j'essaierai de vous l'inclure une petite image dans le prochain vlog. Qu'est-ce qu'il me reste à faire? C'est à peu près rangé. Il faut que je nettoie, que je fasse mes poussières parce que du coup je les ai pas faites hier. Je vous dis, je suis en retard surtout. Parce qu'il faut que je prépare un maximum le 24 et le 25 pour la venue des filles. Après, les gosses partent demain.
Ouais, il part demain à 4 heures. Nous, on doit être à 7 heures chez mes beaux-parents, donc on partira vers 6 heures. J'aurais peut-être pas le temps si je me préparerais quand même plus tôt. Franchement, je sais pas comment ça va aller. Si vous verrez la tenue et tout ça, parce qu'après, il faut que je fasse le montage en plus du vlog pour le poster. Oh, wow, j'aurais jamais. Je vais être à la bourre. Hein. C'est la première fois que je suis débordée comme ça. J'étais déjà un petit peu à la bourre avant que mon frère nous dise qu'on aille là-bas le 25. Mais du coup, là, je reprends du retard parce que j'avais complètement zappé le vaccin. Ça va assez vite. Hein, ça va relativement vite parce que c'est super bien. Oui, j'arrive! C'est super bien organisé, mais le problème, c'est que c'est à 5h30, puisque chérie travaille. Donc, le temps qu'on redescende, je ne peux pas passer chez Action pour les dernières petites conneries pour le 25, puisqu'il sera certainement fermé. Et donc, il me reste plus que le Cora ou le Auchan qui sont ouverts un peu plus tard. Mais ça sera plus cher. Donc, dépité. Et puis c'est quoi prendre encore quand c'est des cadeaux de dernière minute comme ça, c'est pas des cadeaux réfléchis, j'ai horreur de ça. Voilà, ah, bref, on verra bien, on finira bien par s'en sortir comme d'hab. De toute façon, on n'a pas le choix. Après, on nous a dit hein, les cadeaux c'est pas obligatoire, mais voilà, s'il y a des gens même que je connais pas forcément, j'achète au moins une boîte de praline, parce que ça le fait pas d'offrir des cadeaux à tout le monde, sauf à une ou deux personnes, quoi. Donc ça, je supporte pas. Donc je préfère acheter des petites conneries comme ça, mais voilà. Par exemple, il y a le petit copain de ma nièce qui sera là, il aura une petite tête de chocolat ou un paquet de bonbons, quoi. Mais ça sera une connerie, mais au moins, il aura quelque chose de notre part et pas juste regarder les autres déballer, quoi. Bref. Bon, allez, sur ce, je vais me bouger parce que je suis vraiment, vraiment, vraiment à la bourre. Si jamais je reçois le colis de Marie, je vous reprends. Mais ça m'étonnerait qu'il arrive aujourd'hui. Hein. Vu le retard qu'il y a eu la dernière fois, déjà, j'ai un gros doute de l'avoir cette semaine. Mais on ne sait jamais. Hein. Écoutez, on verra. De toute façon, dès que je l'ai, je le déballe avec vous puisque c'est un cadeau surprise. Donc, voilà. Bon, je vais m'occuper des chiens, je vais aller préparer ce qu'il faut pour me maquiller et j'irai vite filmer le Project Pan. Et après, j'enchaîne avec ce que j'ai à faire en bas. C'est tout un bordel. Alors, je suis prête pour aller tourner ma vidéo. Il est 10h29, j'ai un petit peu traîné, mais j'ai fait deux choses en même temps. Je suis multitâche, vraiment multitâche. Donc là, je viens de recevoir ma commande Beauty Bay. Alors, je vais vous montrer l'intégralité de la commande. Non, il y a un produit que je vous montre pas, que c'est pour les produits où je me maquille avec vos favoris. Qui n'est pas de la marque Beauty Bay. Tout le reste, c'est de la marque Beauty Bay parce qu'il y a des produits pour les favoris, pour vos favoris, dont la base à paupières. Voilà, tout simplement, c'est la seule. Donc, je l'ai commandée, comme ça, je peux la tester aussi. Elle m'intriguait beaucoup. Il y a un autre produit d'une autre marque. Et le reste, c'est pour faire un full face Beauty Bay. Vous adorez beaucoup quand je fais des full face. J'aime beaucoup en faire aussi, mais j'ai pas toujours tous les produits. Et comme j'aime beaucoup cette marque, je me suis dit, il y a quand même quelques produits que j'ai pas testés et que je voulais tester. Donc, je vais quand même vous montrer ce que j'ai pris. Voilà. D'abord, j'ai pris, alors qu'il n'y a rien à voir avec le make-up, mais j'ai pris le baume démaquillant. Ça, je vous l'avais dit. Oh. Comme ça, je vais pouvoir le tester ce soir. Et si jamais j'aime pas, je pourrais le donner aussi quand elles viennent. Donc, en plus, il y a même la petite lingette. Donc, le pot se présente comme ça, puisqu'il est beaucoup moins cher que le... Enfin, beaucoup. Il est moins cher que le ELF, ouais, c'est bien ça. C'est l'autre lipide. C'est de l'avoine liquide, des lipides d'avoine, protéines d'avoine peut-être. Et à la camomille. Donc, la camomille, c'est comme le... Comment est-ce qu'il s'appelle ? Le The Body Shop que j'utilisais avant. Donc vous avez une opercule de protection, la petite spatule pour le prélever. Oh, ça va, l'odeur est pas dérangeante du tout et il a l'air d'avoir une bonne consistance. Franchement, j'ai hâte de tester ça ce soir.
retour, comme ça je sais tout de suite. Et si jamais j'aime bien, bah, lors de ma prochaine commande du Tibet, j'en prends 2-3 et puis comme ça je suis tranquille à bon moment, bien que ça parte chez moi les démaquillants. Et du coup, il y a carrément une petite lingette avec. Alors, je pense pas que je vais l'utiliser en lingette démaquillante. En fait, c'est juste un tissu. Voilà, c'est pas des microfibres ou quoi que ce soit, c'est juste du tissu. Mais voilà, ça peut me servir à d'autres trucs pour les poussières, les carreaux, enfin, les ordinateurs ou des trucs comme ça. Et du coup, pour faire le crash test, j'ai tous les produits yeux qu'ils ont sortis. Hein. J'ai crayon, maintenant, du coup, j'ai la base aussi. J'ai les fards à paupières, bien évidemment. J'ai les cristallés de shadow. Qu'est-ce qu'ils ont encore? Enfin, voilà, j'ai beaucoup de produits yeux chez eux, mais j'avais pas de produits lèvres. Lèvres éteints. Et bon, ils n'ont pas le fond de teint et tout ça. La base, c'est en spray. Et le fixateur, j'ai pas pris non plus parce que bah, voilà, j'en ai d'autres et j'ai pas besoin de 15 000. Mais du coup, je me suis dit, je vais quand même enfin tester les produits poudreux de chez eux. Donc, j'ai pris le bronzer. Je sais que Amy aime beaucoup leurs produits de teint. Et bah, beaucoup de monde hein, qui les ont testés. Ils sont souvent revenus dans le sondage pour vos favoris. Voilà. Et donc, j'ai pris la teinte Faune, qui est la plus connue. Les packagings sont très simples, mais il n'en faut pas plus. Oh, et la teinte a l'air sympa. J'ai hâte de tester. Je ne pensais pas comme ça sur le truc, donc j'ai hâte de tester ça. J'ai pris un blush et j'ai pris bien évidemment le Beaten. Je crois que c'est ça la teinte. Attendez, je le sors. Donc il se présente aussi dans les petits packaging en carton comme ça. C'est le même packaging et c'est bien le Beaton. Et oh, c'est une teinte que j'ai adorée. Je trouve que les teintes sont pas très représentatives sur le site. C'est assez dur de se voir. Mais la teinte, j'adore. Vous le voyez encore un peu plus rose qu'il n'est, mais c'est vraiment un vieux rose. Comme j'adore les blushs, les teintes que j'adore. En highlighter, j'ai hésité. Je me suis dit, est-ce que je prends la palette Eyo Coralie parce qu'il y a quand même l'highlighter mauve dedans qui est intéressant, un mauve bleu. Mais je me suis dit, c'est 20 balles la palette. J'utiliserai pas beaucoup les fards à paupières. L'autre highlighter m'intéresse pas. Donc, du coup, j'ai pris celui-ci parce que les autres teintes m'intéressent vraiment pas. Mais celui-ci, c'est la collection Pride. Wear it with. Il s'appelle Parade et... Donc, toujours le même packaging. Regardez-moi la splendeur de la chose. Il y a des micro-paillettes dedans. Donc, bah écoutez, là, on va swatcher. Vous pouvez soit utiliser les 3-4 teintes différemment ou tout mélanger. Donc, on va faire 3 teintes. Donc, le doré ne m'intéresse absolument pas. Mais le mauve, là... Ouh. Donc ça, c'est les 3 teintes séparées. Ils sont lumineux, hein. Et si on mélange tout... intéressant. Et ici, en dessous, en mélangeant. Intéressant, intéressant. Donc, voilà. Je vous fais juste le swatch de celui-là. Hein. J'ai hâte de tester ça. Du coup, j'ai pris un crayon à lèvres et un rouge à lèvres. Le crayon, j'ai pris un nude parce que j'ai plus de vrai nude assez soft. C'est le Toast. C'est celui que j'avais pris à Manon. Donc, c'est un crayon à tailler. Bon, ça me dérange pas. De toute façon, ah, parfait. Parfait, parfait, parfait. Parce que là, j'ai le soir que j'essaye de terminer en ce moment en contour des lèvres, mais il est un peu foncé. Pour mettre avec un vrai nude, ça passe pas. Et j'ai pris un matte lipstick et la teinte est notée sur le rouge à lèvres. J'ai hésité à prendre la collection de Noël, là, mais je me suis dit, autant tester la collection permanente. Donc, il se présente comme ça et c'est la teinte Jam. Et un bordeaux. Faut que je me calme avec les bordeaux. Oh, j'adore. Il ressemble un peu à celui que j'ai là. Un peu plus bordeaux. Celui que j'ai là, c'est le Pat McGrath. Voilà. Bon. Vous avez eu les swatchs exceptionnellement. Je suis trop gentille avec vous. C'était pas prévu que je vous les fasse à l'avance, mais là, je vous les ai fait.
Donc je testerai le baume ce soir, je vous en dirai plus demain si j'oublie pas. Et la vidéo, alors attendez, je vais vous donner le planning de la semaine prochaine déjà, comme ça c'est fait. Donc c'est le décompte de la nouvelle année, mais on se voit toute la semaine. Lundi 27, collection de palettes, vidéo que vous aimez beaucoup. Le 28, favoris soins et ongles, le 29, favoris make-up. Le 30, la vidéo que je vais tourner aujourd'hui, le Big Project Pan de l'année. Le 31, swatch and make-up full face. Comme ça, vous pourrez vous préparer avec moi pour le réveillon du 31 avec la palette que Maryse m'a offert. Le 1er janvier, le haul Shein que j'ai tourné hier puisque je ne savais pas vous le caser autrement. Et dimanche, le premier vlog 2022. Voilà, déjà. Donc, les vlogs ont un an. Officiellement, ils ont un an. Ça y est. Et du coup, les favoris avec le make-up avec vos favoris à vous, c'est pour le 5 janvier. Et le full face Beauty Bay, c'est pour le 12. Voilà. Comme ça, vous savez. Et le swatch and make-up de la palette Shiglam que je vous présente dans le haul du premier, je la ferai le 10, le lundi 10 en bonus. Voilà, enfin normalement, à moins que j'aie un empêchement et que je doive retourner autre chose, mais normalement c'est comme ça que c'est prévu. Mais bon, là vous avez le programme de la semaine prochaine et vous savez quand est-ce que vous aurez les deux vidéos qui sont beaucoup des vidéos très demandées, n'est-ce pas? Voilà, avec vos favoris, ça vous a beaucoup plu. Alors, je n'ai pas l'innovation, hein. Salomé l'avait fait, je crois. Et le Full Face Beauty Bay, j'avais vraiment hâte. Il y a aussi W7 que je pense que je vais vous faire. J'achèterai peut-être pendant la fin des soldes sur Maki Beauty tout ce qu'il faut, qui me manque de chez W7 parce que j'ai déjà pas mal de produits et beaucoup de produits que j'aime beaucoup. Donc, je me suis dit, tant qu'à faire, autant peut-être tester plus encore. Donc, on verra bien. Mais c'est pas pour dans l'immédiat. Ça sera peut-être pour février, fin janvier ou février. Voilà, suivant mon petit budget. Parce qu'il faut que je limite les achats. Mais ça, on en reparlera dans le prochain vlog. Voilà. Bon, sur ce, aujourd'hui, on peut switcher de jour. Et moi, j'allais filmer ma vidéo et achever ce que j'ai à faire ici. Et les chichous se battent. Très bien. Allez, on switch. Essayez de faire quelque chose avec des chichous sauvages qui vous font chier, qui vous collent. Oui, là, ils sont dehors. Donc, vous risquez d'en voir passer quelques-uns. Voir les trois de toute façon. Là je viens, alors il est 7h53. Je viens de passer trois quarts d'heure à essayer de sortir. On a remis les housses, mais monsieur les a remis d'une manière différente pour plus qu'ils aillent dans la housse. Mais Luna a réussi à aller dans la housse du canapé. Gougou, non. Non, non, descends, descends. Mais tu descends. Descends. Oh. J'ai dit descends. Et tiens, viens dire bonjour aux gens. Non, attends, regarde. Bonjour les gens. Il n'aime pas être pris dans les bras. Bonjour les gens. Et doucement. Donc, voilà. Donc, alors, est-ce que j'ai eu la meilleure idée au monde hier soir? Bien sûr. J'ai les mains bleues, le crâne bleu. Voilà, j'ai fait une colo bleue. Donc, vous n'allez rien voir ici. On verra la lumière du jour. Moi, j'ai vu un peu devant mon anneau lumineux. Et ça fait mauve, hein. Donc, je suis contente. Mais pourquoi tu manges mon pull? Gougou, pourquoi tu manges mon pull? Je peux savoir pourquoi tu manges mon pull? Mais je vous montrerai tout à l'heure. Quoi que vous voyez un peu les reflets, quand même. J'aime bien. Voilà, c'est un peu plus foncé que le rose, hein. Mais le rose, c'était vraiment juste pour tester. J'ai beaucoup aimé. Je le referai peut-être en été. Bébé Luna. Donc, vous étonnez pas de les voir passer à droite à gauche. Hein. Donc, voilà. C'est la meilleure idée que j'ai eue. Donc, du coup, j'ai le crâne bleu, en fait. Luna est sur la table. Si vous tombez, c'est Luna. Hein. C'est pas moi. Voilà. J'ai hâte de voir ce que ça va donner à la lumière du soleil. Mais là, c'est déjà pas mal. Donc, voilà pour ça. Donc, là, ce que je vais faire, vu que c'est le 24, hein, ce soir, nous avons le réveillon. C'est pour ça que j'ai fait sortir les chichous, en fait. Ils sont pas sortis hier parce que bah, on a couru pour aller faire les derniers cadeaux. On a tout. J'ai tout emballé. Des cadeaux qui n'étaient pas prévus, hein, comme je vous l'ai dit. Et donc, du coup, on a couru pour faire ça. Et je sais plus ce que je voulais dire. Ouais, donc, du coup, j'ai pas pu les faire sortir hier soir parce qu'après, on a...
on a commencé à préparer un peu la vaisselle et tout ça qu'il faut pour le 26. Et du coup, le 25, au soir, on n'est pas. Et hier, Umberto, il me fait super mal. Il y avait du pu hier dedans, donc je pense vraiment que c'est un poil incarné, mais j'arrive pas à le choper avec la pince à épiler. Et c'est à cause de ça, à mon avis, j'ai chopé une infection. Gougou, non. 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 Descends. Non. Hé. Faut que je me lève. Descends de là. Je crois. Hé. Sur tes cheveux. Oh ma bébé Luna, comme ce que c'est. Elle était trop belle, ma bébé Luna. Oh, elle était trop belle. On peut fouetter tes belles, ma bébé. Mais t'écoutes rien. Tu sais que t'écoutes rien. Si je vous la montrer. Oh ma bébé Luna, qu'est-ce qu'elle était belle. Oh, beauté fatale que tu es. Oh ma bébé Luna. Oh, qu'est-ce qu'elle était belle. Donc voilà. La vie avec des chichous. Oh, le gros plan qui fait peur. Et Gougou est de nouveau sur la caisse, il va monter sur le bureau. Gougou, je t'ai dit non. Gougou, je t'ai dit non. Il en a rien à foutre. Je reviens. Hé. Tu vas finir à la broche le 26, toi, hein. Je veux que t'es pas mal. Et je n'ai pas vu mes mères Queenie depuis un certain temps. Luna? Queenie? Vous êtes où? Je vois un gougou sauvage. On me dit pas qu'ils sont encore en dessous du canapé. Queenie? Mes mères Queenie? Personne dans la cage? Non? Ça, c'est inquiétant. Queenie, Luna, les filles. J'ai perdu les chichous. Si je dois encore les réveiller Georges pour qu'il m'aide, il va péter un scandale. Bon, du coup, ce que je vais faire, je vais juste nettoyer, et Gougou est dans la gamelle, nettoyer mon visage. Là, je vais faire mon petit masque de Noyal. Bah oui, c'est Noyal. Ah, t'es là, ma mère Queenie. Oh, qu'est-ce qu'elle écoutait bien, cette fille-là. Bah oui. Tu viens pas te montrer sur YouTube? Tu aimes bien passer sur YouTube d'habitude. C'est vrai en plus. D'habitude, j'ai filmé avec le téléphone, donc là, elle comprend peut-être pas qu'elle va passer sur YouTube. Donc, le Père Noël a l'air assez psychopathe, j'ai l'impression, sur la miniature, du moins. Ah, bah, bébé Luna, elle est là aussi. Oh, bah, c'est bien ça, pour une fois que t'écoutes. Alors, il va avoir l'air encore plus psychopathe une fois posé sur ma tronche. Ouh, il est froid. Oh, il fait super froid. Je crois que les chichous ont eu peur. Bon. Queenie, descend. 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 Voilà. Donc c'est les petits masques d'action. Comme de toute façon, j'ai pas dit que ceux-là. Du coup, vous les voyez pas trop passer. Ah, le chat se réveille. Ah, t'aimerais bien venir en croquer un. Donc, je vais laisser poser ça 10-15 minutes. Comme ça, je joue un peu avec les chichous. Et puis, je vous reprends parce qu'hier, on est passé chez Action pour terminer les cadeaux. Et j'ai acheté 2-3 trucs, des babioles. Hein. J'ai pas acheté grand-chose. Donc, ça vaut pas le coup de faire un haul. Mais je vais vous montrer ça en même temps. Voilà, et puis donc aujourd'hui, je ferai mon make-up avec vous. Alors, la tenue, je vais mettre, je vais essayer de vous rechoper la photo de quand j'ai fait mon haul. L'ensemble vert de chez Shein. Je ne saurais pas vous montrer le rendu final parce qu'il faut que je monte le vlog, sinon il sera jamais prêt pour dimanche. Mais je vous montrerai, enfin de toute façon, voilà, vous avez vu. Hé, hé, hé!
Lemon, vous avez vu le... Vous l'avez vu porter et je vais mettre mon gilet noir naf naf par-dessus pour pas avoir froid chez mes beaux-parents. Demain, je mettrai ma jupe de chez Shein, mais je vous prendrai des petits close-up et je vous les montrerai dans le prochain vlog. Comme ça, vous verrez quand même la tenue sans pour autant... Ceux qui me suivent sur Insta les verront sur Insta, donc voilà. Et ben, ceux qui ne me suivent pas sur Insta devront attendre le prochain vlog pour voir mes looks complets du 24 et du 25. Le 26, vous verrez, puisque j'ouvrirai le vlog justement dimanche quand les filles sont là. Un peu avant qu'elles arrivent d'ailleurs. Je vais essayer de vous montrer le dessert que je fais. Et bébé coucou, il s'enfuit, il est en train de bouffer. Il passe sa vie à bouffer ce. Ah, une bébé Luna. Oh, une bébé Luna. Bah oui, non, moi, je prends mes doigts, il y a du produit ici. J'ai les doigts tout bleus, j'ai mon vernis qui a sauté à force de nettoyer. J'ai eu une super idée de faire ça hier, juste avant le réveil. Mais bon, on verra tout à l'heure à la lumière du jour ce que ça donne. Ah, vous voyez ici, il y a une belle mèche mauve là. J'ai hâte de voir ce que ça va donner à la lumière du jour. Donc, je laisse poser ça une dizaine de minutes encore parce que ça fait déjà 10 minutes que je blablate. Et je vous reprends pour vous montrer ce que j'ai acheté chez Action. Ah oui, hier, on a donc été faire le vaccin, la troisième dose. Et j'ai mal le bras maintenant. Voilà. Donc là, je vais faire les calendriers. Tant que c'est que mal le bras. Alors, je peux faire que le chocolat de Nico parce que l'autre des Monsieur Sexy est tombé derrière la télé. Et j'attends qu'un gosse me le récupère. Voilà, parce que j'ai des trop petits bras. Pas de bras, pas de chocolat. Alors, le 24, c'est une plus grande caisse. Et c'est le Papa Noël. On va manger le Papa Noël. Et c'est un plus grand chocolat. Et ça doit être un Papa Noël. Mmh, voilà. Mmh. J'ai bouffé Papa Noël. Et donc, c'est le dernier. Ah, mon gougou. Qu'est-ce qu'a mon bébé gougou? C'est leur jeu préféré. Vous les aurez beaucoup vu dans le vlog. Hein. F24 chez Essence, il est ici. Et c'est normalement la directeur, puisqu'on l'a pas eu encore. Oh. Il est très 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 beau, mais quand même. Hein. Le packaging est très beau. Alors, j'avais un Rikiki Swatch. Pas trop mettre mon doigt dedans. Ouais, beaucoup trop doré pour moi. Il est beau, hein, mais beaucoup trop doré et j'ai le nabla en doré. Donc je vous le mettrai de côté. Hein. Vous avez vu, j'ai à peine trempé mon doigt dedans. Je vous le mettrai de côté dans les loups. Voilà. Finalement, vous aurez eu presque plus que moi dans ce calendrier. Mais bon. Ça vaut quand même le coup, hein, même si vous gardez pas tout. Alors, pour... Quoi, Queenie? Tu vérifies ce que j'ai acheté chez Action. Gougou, pas mes pantoufles. Oh. Alors, pour les... Comment? Pour les cadeaux qui nous manquaient, il y avait trois ados dans le... Enfin, dans... Trois ados. Trois jeunes adultes, plutôt. On leur a pris un parfum Adidas. Voilà, on ne savait pas trop quoi leur prendre. Les cadeaux de dernière minute, j'ai horreur de ça. Donc, voilà. On a repris, comme à chaque fois qu'il y en a, un gros paquet de friandises pour les chiens. La petite, elle ne les mange pas trop, mais le gros, il adore ça. Et ils sont à 5 euros, je crois. Alors, chérie s'est pris aussi du lave-glace anti-gel. Et on a pris des... Il a pris des charnières pour faire un changement... Comment ça s'appelle? À la cuisine. On a viré le petit frigo incrusté, incorporé qu'on n'utilisait pas. Et il va me faire des étagères dedans, mais là, il n'a pas le temps. Il s'est pris aussi des chips de Ben N. Les Adidas étaient à 4,99€. Donc ça va, si vous avez un petit cadeau à faire. Je cherche le quoi, moi, déjà. Ah oui, les trucs des chiens. Et ben, je ne trouve pas. Sunny Pites, c'est pas ça. Stick chien 1 kg, 3,99€, 14.
J'ai repris en même temps des pâtés pour le chat, les Freya, là. On les avait pris la dernière fois en dépannage et ils les adorent, en fait. Et à 20, ils sont 21 centimes, je crois. Attendez, je vous dis ça tout de suite. Oui, c'est ça, 21 centimes les 100 grammes. Et ils les adorent, donc bah, écoutez, on a pris. Chérie a pris ça pour goûter, oui, on a fond popcorn en ce moment, des popcorn au caramel beurre salé. 3 fois 100 grammes, c'est à faire au micro-ondes aussi, c'est des sachets pop-up. Mais gros qui rentre dans le sac du Action. Voilà, et cela était à 89 centimes. Oups, j'ai envie de vous dire. Je me suis repris une brosse à dents, ce que je vais utiliser de suite après. Ils sont tous ici. Hein. Ah, ma bébé. Ah, c'est mon gougou. C'est mon gougou. Oh, c'est mon gougou. Brosse à dents, 99 centimes pour une Colgate. Hein, j'ai envie de vous dire. Voilà. Je prends toujours des softs, hein, vu que j'ai des gros problèmes de dents et de gencives. Après, peut-être que si je prenais des médiums, ça enlèverait un peu plus de tarte, mais ça me défonce trop les gencives. Et, Queenie, descend. Attendez, Queenie, écoute rien. Il y a le chat qui est en forme là, qui les surveille. Hein. Donc, il faut que je surveille aussi le chat. On a repris les sticks ici. Normalement, c'est pour lapin, cochon, vin et hamster. Mais ils les aiment beaucoup, eux. Et franchement, comme ils sont pas chers non plus, on leur a repris un paquet. T'as bobo, t'as papa de mon bébé coucou. Non. Ah bah apparemment, non. Vu comment tu viens de sauter, tu dois pas avoir mal. Et ça, c'était... Alors, attendez. Hein. Pour rongeur, 99 centimes. Chérie a repris des crispy onion. Voilà, chaque fois qu'il y en a, on en achète aussi. 99 centimes. Je me suis pris un gel nettoyant pour le visage parce que je n'en avais plus. Oui, il y a des choses que je tombe à court. Après, j'utilise très peu de gel nettoyant. C'est juste quand je vais à la douche, voilà, de temps en temps, je pense à me nettoyer le visage. Et comme j'ai acheté la brosse que vous verrez dans le haut, le Shein. Qu'est-ce que tu fais? Pourquoi tu rebondis contre la cage? Donc ici, c'est un Moisturizing Gel Wash Face and Eyes Area avec Cornflower Extract. Donc, Cornflower, c'est quoi? Corn, c'est popcorn, maïs, du bas. Et Red Clover Extract, donc trèfle rouge, je ne sais pas c'est quoi. Pour tout type de peau, c'est vegan, 200 ml, voilà. De toute façon, c'était un des seuls qui avait, donc bah, j'ai pris celui-là. Je prends toujours un flacon pompe, hein. L'obsédé du flacon pompe. Et celui-là était à 1,99. Et pour finir, j'ai pris les deux qui restaient parce qu'il n'y en a jamais dans mon Action, et là il y en avait deux, des huiles miracles de chez Aussie. Donc voilà, je les ai jamais testées, les huiles. J'ai beaucoup utilisé l'après-shampoing. On a. Donc ils étaient tous les deux à 2,95 hein, pour du aussi, j'ai envie de vous dire. C'est un format 100 ml. On a la Miracle Oil Smooth avec de l'huile de macadamia et du Safflower Seed Oil et Coconut Oil. Alors, je ne sais pas c'est quoi le Saf. Sa flower, ça je ne sais pas c'est quoi, donc j'ai pris celui-ci et l'autre c'est Reconstructor, macadamia, jojoba et avocat. Voilà, donc les deux, moi je prends toujours d'habitude le smooth, mais j'aime beaucoup les 3 minutes miracle lightening, lightweight et machin. Alors, je vais essayer de les sentir parce que les produits aussi sont super bons. Ah ouais, oh, ça sent bon. Je ne sais pas s'ils ont la même odeur. Tu vas tomber. Ah non, ils n'ont pas tout à fait la même odeur, mais ils sont super bons tous les deux. Donc voilà, j'ai 15 millions d'huile pour les cheveux, mais je vais en utiliser une tout de suite. Là, j'en ai un qui est beaucoup trop liquide, je ne vais pas l'utiliser, j'aime pas. Luna est en train de défoncer le truc et Gougou est en train de faire des conneries sur, sur la table. Il n'y a plus rien dans le calendrier de l'avant, hein. J'ai tout mangé.
Bon, les chiens sont levés, je vais aller les faire sortir. Démon, tu laisses Queenie tranquille. Queenie, arrête de narguer le chat. Oh, ces deux-là. Et non, toi, tu laisses mon papier ticket de caisse. Donc, je vous reprends tout à l'heure pour faire mon make-up avec vous. On regardera mes cheveux. Oui, j'arrive, Ryan. On regardera mes cheveux à la lumière du jour. Là, je vais aller faire mon montage du Big Project Pan parce que j'ai pas eu le temps de le faire hier. Et laver mes assiettes et tout ça pour dimanche. Enfin, j'ai plein de choses à faire, quoi. Donc, je pense que le vlog est déjà assez long puisque je suis déjà à presque une heure et il manque toute la journée d'aujourd'hui. Plus le make-up encore qui va venir qui risque d'être assez long. Donc, et il faut que je prépare tout ce qu'il faut. Qu'est-ce que tu fais ? Bon, je vais m'occuper des animaux, ranger mon bordel, faire rentrer les chichous si j'y arrive parce que là, ils sont motivés. Et on se retrouve tout à l'heure. Alors, il est 10h tout pile. Je n'en peux plus. Ça fait une heure, plus d'une heure que j'essaie de faire rentrer bébé Luna. Qui est dans la housse, en dessous du canapé. Donc là, je viens de surélever le canapé, de faire un micmac pour qu'elle sorte, mais pas moyen de la faire sortir. J'ai déjà dû aller réveiller Georges une fois pour qu'il m'aide pour la faire sortir la première fois. Et là, elle veut pas. Les deux gros sont dans la cage, ils dorment. Hein, mais là, non, elle veut pas. Elle écoute rien. Les deux autres écoutent super bien, mais elle, j'ai plus de mal. Donc, je viens de recevoir un autre colis de Marie. C'est pour ça que je vous reprends maintenant. J'ai tellement de choses à faire, je n'en peux plus et ça me retarde à mort, rien cette histoire-là. Donc voilà. Donc Maryse, merci. Encore. Et encore. Et encore. Et encore. Je ne sais pas du tout ce que c'est. C'est une big surprise. Alors le Chatterton, ça tient. Je vais aller prendre les ciseaux parce que. Alors attendez, hein, j'essaye d'ouvrir ça et je continue avec vous. Elle m'énerve. Hein. Dites-lui qu'elle exagère. Franchement, t'abuses, Maryse. C'est beaucoup trop. J'ai pas besoin d'autant de cadeaux, c'est un truc de fou. Ce qui m'embête le plus, c'est que moi je peux pas faire pareil de l'autre côté et ça j'aime pas. Vous voyez ce que je veux dire? Toujours l'impression que de profiter en fait. Je sais pas comment expliquer. Alors, je sais que vous pensez pas la même chose, mais voilà, c'est ma façon de voir les choses. J'aime pas trop. Voilà. J'ai reçu ma commande Sephora aussi juste avant. Mais du coup, ah oui, je ne vous ai pas dit, mais avec toutes les commandes que j'ai passées ces derniers temps, je vous ferai un haul hein, parce que beaucoup trop. J'ai exagéré, hein. Franchement, j'ai abusé. Donc une fois que j'aurai tout reçu, je vous filmerai le haul. Il y a des produits que j'avais commandés pour deux vidéos et le reste, des craquages. Pas nécessaire, hein, on est d'accord. Alors, papier. Alors, ici, on a une petite botte. Oh, elle est trop belle. Ah, avec des petits pingouins. Ça doit être des chocolats, je suppose. Ça a l'air d'être des chocolats, non? Ça a l'air d'être une botte de pingouin. Oui. Oh, des plein de chocolat. Oh, vous ne voyez pas. Un plein des chocolats. Miam, miam. Je vais en goûter un juste après. Et on a un petit gros paquet ici. Oh, cette petite. Oh là là, que c'est beau. Oh là là, que c'est beau. Alors attendez, je pose, je vais vous montrer. Elle m'avait envoyé un message en me disant j'ai vu ça, je te l'ai acheté comme cadeau de Noël. Alors attendez, est-ce que ça s'ouvre? Elle a mis une carte à l'intérieur. Ils sont faits maison. Les chocolats sont faits maison. Oh my god. Et alors voilà le truc avec des bambis. Alors ça s'allume. Elle m'avait montré que ça s'allume. J'adore. Ah, c'est trop beau. J'adore. S'il a l'air dans mon fond, ça, c'est sûr. Là, je vais le mettre en déco, je pense, pour ce week-end, ici en bas. Oui, je viens, Proprou. Ils attendent la bouffe. Mais c'est trop beau. Regardez les bambis comme ils sont beaux.
Oh, merci, mamie. C'est trop beau. J'adore. C'est bien fait. Oh, les détails sont magnifiques. Oh là 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 là, j'adore. Ryan, descend. En train de piquer la gamelle au chat. Merci, maman, c'est adorable, j'adore, j'aime trop. J'aime trop, j'aime trop, j'aime trop, j'aime trop. Voilà. Alors, attends, je vais goûter un chocolat. Je vais prendre avec du chocolat blanc. Je vais me casser la gamelle. Mmh. Oh mon Dieu, mais je partage même pas. Mmh. Oh, pétard que c'est bon. Oh non, il dit je partage pas et encore moins que vous aussi. Hein. Pas moi. C'est mieux le chocolat. Mmh. Il y a une question que je me pose. Marie, est-ce qu'il y a quelque chose que tu ne sais pas faire? Mmh. Du coup, je vais goûter un petit cœur. Mmh, tant qu'à faire. Mmh. Mmh. Oh là là. Moi. Ça, je partage pas. Oh, les questions que je partage. Hein. C'est à moi. Mmh. J'adore. Ils sont trop bons. Merci, maman. Attends. En plus, j'ai mal à une dent. Donc, je te remercie encore une fois, maman. Et ton cadeau partira la semaine prochaine. Là, j'ai vraiment pas eu le temps de courir à la poste. Mais on ira la semaine prochaine te le déposer. Voilà. Bon, sur ce, je vous reprends tout à l'heure pour me maquiller. Si j'arrive un jour à faire ce que j'ai à faire avec ce foutu chichou qui n'écoute rien, je vais aller réveiller Georges. Il arrivera peut-être mieux à la choper que moi. Oh, tes chocolats sont délicieux. Trop bon. Donc, ouais, bon, on se retrouve tout à l'heure pour clôturer le vlog avec mon make-up et mon petit joyeux Noël. Voilà. Donc, il est 16h47, je suis hyper à la bourre. C'est pour ça que je ne vous ai pas pris pour faire le make-up. De toute façon, le vlog est déjà tellement long. Voilà, donc j'ai terminé. Je vais vous montrer de plus près, sans mes lunettes, ce serait bien. Donc, j'ai fait mon teint avec les produits Nabla, blush Nabla, bronzer Nabla, blush Nabla, highlighter Nabla, rouge à lèvres, le nouveau de chez Too Faced que j'ai reçu ce matin de chez Sephora, le cinnamon bun, il est trop beau. Et ils sont divinement bons, la cannelle. Et les yeux... J'ai mis les paillettes, donc je me suis pas trop cassé la nénette. J'ai fait le make-up facile que je vous ai montré dans une dernière vidéo que je vous remets en bas d'un barre d'infos avec la palette Indie. Sauf que là, j'ai mis des fards Glambox que m'avait envoyé Maryse, une palette de fards à paillettes, comme ça, et du haut chrome. Et ils sont magnifiques. Canon. Donc mes cheveux, je sais pas si vous allez voir. Ah oui, on voit quand même. Voyez. J'aime beaucoup. Là, je vais quand même les lisser un petit coup parce que... Ils ont un petit peu trop de volume, je sais pas ce qu'ils font. Alors je vais pas sortir le steampot parce que j'ai pas le temps, mais je vais donner un petit coup de lisseur. Je les ferai au steampot demain, je pense. Classique, pour enlever un peu ce côté moumoute là. Je sais pas pourquoi ils font le petit mouton là aujourd'hui. Donc voilà. Donc, je vous tiens tout à bout de bras. J'ai mal partout. J'ai absolument mal partout. Alors, tout à l'heure, j'ai quand même passé 2 heures à plat ventre en dessous du canapé pour essayer de récupérer Luna, hein, qui était en dessous du canapé. Et du coup, j'ai dû venir réveiller Enzo. J'ai dit, je vais laisser dormir Sam parce que je l'ai déjà réveillé. Donc, j'ai réveillé Enzo qui m'a soulevé le canapé. J'ai encore passé une demi-heure en dessous du canapé. Finalement, il me dit, t'es sûre qu'elle est là? J'ai regardé, elle n'était pas là. Elle était ailleurs où je pouvais la attraper depuis belle lurette. Elle dormait sur une planche. Voilà. Donc, voilà ma journée. J'ai pris beaucoup de retard du coup à cause de ça. Mais au moins, ils sont sortis et bien sortis. Ils se sont bien amusés. Là, ils dorment encore. Et donc, c'est tout pour ce Vlogmas, le dernier Vlogmas, puisque la semaine prochaine, c'est le premier weekly vlog de 2022. On ouvrira sur la venue des filles, bien évidemment.
Donc là, on est le 24 officiellement, même si pour vous, c'est déjà passé. Moi, je vous souhaite de passer un très bon réveil, enfin, un très bon réveillon. J'espère que vous avez passé un bon réveillon. Je vous souhaite un très, 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 très joyeux Noël, des bonnes fêtes et tout, et tout, et tout. Et je vous aime beaucoup et je vous remercie d'avoir passé cette année avec moi. Et je vous le dirai encore le 31, il y a sûrement. Mais voilà, je vous remercie pour tout et je vous aime vraiment énormément tous. Et voilà. Donc, sur ce, n'oubliez pas de mettre le petit pouce en l'air, de vous abonner si ce n'est pas encore fait. On se retrouve de toute façon demain, puisque c'est encore toute une semaine de vidéos. Et après, ça sera un planning normal hein, quand même, pour pas déconner. Hein. Et en attendant demain, moi, je vous dis bisous, bisous. Et soyez prudents sur les routes.